Steve? Gurman a une idée audacieuse pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais avant de se lancer dans son projet, il consulte le grand lama du village. En observant les chevaux dessinés sur les drapeaux de prière, son idée folle lui est venue. Il veut acheter un cheval dressé et le louer aux touristes pour gagner sa vie. D'abord, il demande au grand lama la bénédiction d'un rouleau de drapeaux qui représente des chevaux porteurs de prières, les Langta. À la moitié de la cérémonie, il se décide à confier son secret. Bienveillant, le grand lama l'encourage. Il prie pour sa protection et pour la venue au village d'un cheval de chair et de vent, un bon langta bien vivant. Monter sur un cheval. Ici, personne n'y a vraiment songé. La vallée est bien trop escarpée. Dehors, les feux des genévriers embaument le monastère. Gurman, qui brûle de s'élancer à la recherche de sa monture, patiente avec les autres fidèles. Des lamas en chapeau partent pour des cérémonies lointaines. Des sherpanis s'en vont pour les semailles. Des guides sherpas se préparent à affronter l'altitude. Aucun ne le ferait sans avoir reçu sa kata de soie beige, sans avoir jeté le riz béni, sans s'être enivré des odeurs sacrées. Alors, fort de ses rituels, on se sépare et chacun va vers sa destinée. Emportés par le galop du vent, les chevaux de tissu se dispersent. Autant de prières pour le frère disparu et de pensées d'espérance dans la chaleur des nuées. Pour Nima et Gurman, le bruissement des chevaux de vent annonce aussi la venue d'un vrai cheval. Ce cheval que Gurman va partir chercher dans une autre vallée. Ce cheval qu'il espère louer aux étrangers de passage. Un cheval qui portera les malades, qui sauvera des vies. La décision prise, Gurman peut enfin courir à l'autre bout du pays, vers la vallée des chevaux. Car les animaux qui gambadent autour des monastères ne sont pas à vendre. Incarnation céleste, ce sont des chevaux sans maître, laissés en liberté. Gurman débaroule pendant 10 heures d'affilée et 2000 mètres plus bas, il s'envole. Une préoccupation trotte dans sa tête, trouver l'argent. Gurman a emporté toutes ses économies et aussi de précieux objets à vendre. Il paraît qu'un cheval domestiqué vaut près de 50 fois le prix de son billet d'avion. Il devra emprunter à Katmandou. Là-bas, Gurman compte sur la solidarité d'un cousin, Tsawang, qui s'est reconverti dans le commerce des matériels d'alpinisme.
Il trouve la capitale du Népal en équilibre sur une bascule. D'un côté, la révolution du parti maoïste de Parchanda, qui promet au peuple la démocratie et aux pauvres la justice sociale. De l'autre, la monarchie aveugle qui fanfaronne devant une hallucinante cavalerie. Provocante, la famille royale roule carrosse, avec faste et mépris. Dans le quartier de Tamel, tout s'échange, tout s'achète, se revend. Tout se fabrique et se copie, surtout les équipements offerts aux Sherpas par les expéditions. Le cousin commerçant est là, accueillant, mais attentif à l'authenticité des matériels. Savong propose 15 000 roupies pour le tout, plus 20 000 à me rembourser avec la location de ton cheval. Et bonne chance. Gurmen a passé son enfance dans un monastère bouddhiste. C'était le choix de son père. Aujourd'hui, le jeune Sherpa nourrit des sentiments ambigus. Il voudrait remercier et être heureux du présent. Mais il se souvient des journées si exigeantes de son enfance. Des chants lancinants. De l'immobilité interminable. Il se souvient surtout des échappées, des chahuts, des escapades, des jeux, des rêves de liberté. Il se souvient des moments de partage, et puis enfin, d'être parti avec Nima vers la vie choisie. Souvent lui reviennent en mémoire les contraintes de l'école monastique. Et il se souvient bien du plaisir de découvrir le monde dans les livres. Il se rappelle aussi des cérémonies sans fin qui le saoulaient de fatigue. De cette parenthèse étrange au monastère, il a gardé la nostalgie des miracles de la lumière et une inclination pour la prière. Il a gardé aussi le goût des chevauchées extraordinaires, de ces galops imaginaires sur des bêtes fulminantes qui fuyaient les esprits maléfiques et semaient les mauvais génies.